Salut mes chéris coco d'amour, j'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte à merveille mes chéris et bon week-end à vous. Amusez-vous, ne pensez pas, déstressez et puis voilà, la vie est courte, ok mes amours. Bon mes chouchous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer une technique pour ne plus avoir mal. Une technique qui va assouplir vos cheveux, une technique qui va vous aider à peigner vos cheveux sans avoir mal à la tête. Une bonne technique mes amours, ok? Donc si vous avez des enfants, tout à l'heure je vais vous montrer ça sur la tête de mon bébé, donc restez connectés mes chéris. Si vous avez des enfants mes amours, s'il vous plaît, ne faites pas, si vous avez mal à la tête, si vous agressez votre cuir chevelu, vos cheveux ne vont pas bien pousser. Et je sais que c'est difficile quand nous avons les cheveux crépus mes amours, ok? Donc si tu as ce problème là, tu as des cheveux qui s'en mêlent, tu as des cheveux qui sont crépus comme moi mes cheveux, tu as des cheveux qui te donne des maux de tête, mes chéris, vous n'aurez plus mal, ok? Donc si tu veux voir cette recette là, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. On se lance. Donc mes chouchous, pour cette recette là, nous aurons besoin d'un spray, voilà, un vaporisateur. Donc on va commencer d'abord avec le jus d'aloe vera. J'aime le jus d'aloe vera. Le jus d'aloe vera est très très bien pour hydrater les cheveux. Le jus de l'aloe vera active la pousse des cheveux. Ça stimule la pousse des cheveux. C'est parfait. Donc je mets un peu mon jus d'aloe vera. Et maintenant je vais mettre un peu d'eau mes chéris. Vous savez que nos cheveux ont besoin d'eau. Nos cheveux ont besoin d'eau. On va mettre un peu d'eau là-dedans. Et maintenant je vais utiliser mon Shea Moisture Curly Smoothie. Oui, vous pouvez prendre votre démêlant, mais moi j'adore ça. J'adore ça, mes chéris. Je veux utiliser ça. Donc, vous pouvez prendre votre démêlant. Ça dépend de vous, mes amours. Donc, c'est ce que moi je vais utiliser là maintenant. Et je vais mettre mon huile de citrouille qui est très très bien pour activer la pousse des cheveux. Et maintenant, je vais mettre une huile de mon choix. Je vais mettre l'huile de raisin. Vous pouvez mettre l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile qui va avec vos cheveux. C'est ce que moi, je vais mettre aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre mes huiles essentielles. Je vais mettre l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de rosemary et l'huile essentielle de tea tree. L'huile essentielle que vous voyez là, mes chéris, ça stimule aussi la pousse des cheveux. Voilà, mes chéris. Quand je finis comme ça, je ferme mon vaporisateur et on secoue bien pour mélanger le tout. Secouez bien et vous allez voir, ça va devenir comme un living. C'est juste magnifique, mes amours. Et maintenant, on va se lancer. Je ne vais pas vous montrer sur moi mes cheveux car mes cheveux sont nattés actuellement. Je vais vous montrer sur les cheveux de mon bébé parce que je dois la tresser demain. Donc, c'est comme ça que je prépare ses cheveux pour ne pas qu'elle ait mal. Ok, mes chéris? Donc, faites pareil avec vos enfants et avec vous-même, mes chéris. Plus de maux de tête, ok? Donc, regardez comment je vais faire avec ma fille. Regardez jusqu'à la fin, vous allez voir comment ses cheveux sont magnifiques. Ses cheveux seront tout brillants. Regardez comment ses cheveux sont secs, mes chéris. Je vais appliquer ça. Je vais vous montrer tout ce que je vais faire comme technique. Et vous allez voir après comment ses cheveux seront beaux, brillants, faciles à peigner et magnifiques. Je vous fais d'énormes bisous, mes chéris. Restez connectés jusqu'à la fin. Gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Thank you.